Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Au Seigneur des Seigneurs, au Dieu fidèle et puissant. Ce soir encore, nous bénissons le nom de l'Éternel, de celui qui est assis sur le trône, de celui jour et nuit qui nous fait grâce d'avoir la vie, d'avoir la santé, celui qui nous préserve du malheur, celui qui nous préserve de la malédiction. Nous glorifions encore son nom de tout ce qu'il ne cesse de faire encore dans la vie de ses brebis. Avant de commencer, je vais donner un cantique. Nous allons donner un cantique pour glorifier le nom de Jésus et pour élever son nom. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu, il est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Entre les mains du Seigneur Jésus, que son esprit, que sa puissance, que sa sainteté viennent prendre contrôle de toutes choses. Éternel des armées, mon âme te bénit, mon âme te loue, car tu es puissant. Père, voici encore cet enseignement que je viens donner pour ta gloire, que je viens donner pour ton nom, que je viens donner pour ton service. Saint-Esprit de Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu prennes contrôle de toutes choses, que ta puissance, ta gloire, ton feu, ta grandeur, ta sainteté viennent se manifester tout le long de cet enseignement. Adonai, que rien de ce qui est la chair, au roi de gloire, prenne le dessus dans mes paroles, mais que je sois inspiré par l'Esprit de Dieu, mais que je sois conduit par l'Esprit de Dieu, que tout ce qui est chair se taise, que tout ce qui est lourdeur se taise, que tout ce qui est assoupissement se taise, mais que l'onction de l'Éternel des armées vienne prendre contrôle de tout ce moment. Élie, Élie, la Bible déclare que tu es l'alpha de toutes choses et tu es l'oméga de toutes choses. Tu es aussi l'Emmanuel de toutes choses. Je prie, roi de gloire, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prie que tu viennes prendre contrôle de tout ce moment et que tous ceux qui regardent soient touchés. Tous ceux qui regardent soient puissamment encore transpercés par cette parole qui sera donnée sous l'inspiration du Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus. 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 Jésus.
Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oublie pas de diminuer le truc. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le frère Emmanuel. Et ce thème que le Seigneur m'a inspiré à donner aujourd'hui, c'est le voile de la femme chrétienne. On a entendu dire de ça et là que le voile de la femme, c'est sa chevelure. Un groupe dit que le voile de la femme, c'est sa chevelure. Un autre groupe dit que le voile de la femme, ce n'est pas sa chevelure, mais c'est une couverture ou un foulard qu'elle doit mettre sur la tête pour prier. Donc lorsque la femme doit prier, son voile, c'est sa chevelure. Est-ce que le voile de la femme, c'est la chevelure? Est-ce que le voile de la femme, c'est le foulard? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons décortiquer cela par la puissance et la présence de Dieu. J'aimerais déjà ouvrir l'esprit de quelqu'un. Si on venait à te poser, est-ce que le voile de la femme, c'est la chevelure? Bien-aimé, ne réponds pas aussi vite. Si on te pose aussi, est-ce que le voile de la femme, c'est le foulard? Bien-aimé, ne réponds pas aussi vite. Alléluia. Amen. Dis tout simplement que ça dépend. Dans quel cas nous nous trouvons? Est-ce que le voile de la femme, c'est la chevelure? Question. Est-ce que le voile de la femme, c'est le foulard? Question. Dans quel cas dirons-nous que le voile de la femme, c'est la chevelure, si réellement le voile de la femme, c'est la chevelure? Amen. Et dans quel cas dirons-nous que le voile de la femme, c'est le foulard, si réellement le voile de la femme, c'est le foulard? Je crois que nous allons commencer par la parole, parce que la Bible déclare dans le livre de Jean 1, verset 1, qu'au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la philosophie. Au commencement n'était pas les raisonnements humains. Au commencement n'était pas les pensées humaines. Mais au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Vérité. Donc c'est la parole qui est sortie de Dieu que nous allons utiliser ce soir pour attester et pour comprendre réellement les Écritures. Si le voile de la femme, c'est sa chevelure, ou si le voile de la femme, c'est le foulard. Alléluia. Amen. Nous allons commencer par le livre de Galates, chapitre 1, à partir du verset 6. Galates, chapitre 1, à partir du verset 6. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le voile. Paul Emmanuel, au fur et à mesure, tu rapproches aussi. Le voile. Désolé si nous on écrit mal. Papa, je l'écris dessus. Le voile de la femme chrétienne. Voici le thème de ce soir. Le voile de la femme chrétienne. Et nous allons d'abord prendre le livre de Galates. Le livre de Galates, chapitre 1, verset 6. Galates 1, verset 6. Vas-y, homme de Dieu. Galates, chapitre 1, verset 6. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur avec grand respect. Amen. Un instant. On voulait vérifier quelque chose rapidement. Alléluia. Amen. Vas-y, homme de Dieu. Galates chapitre 1, au verset 6. Amen. Il est écrit. Il est écrit. Je m'étonne que. D'abord, quelqu'un va dire que non, c'est que Paul a péché. Parce que le verset est en fait de base. Que nous allons beaucoup nous baser dessus. Et par après, nous allons continuer. C'est le livre que tout le monde connaît, le livre de Corinthiens, chapitre 11.
Gloire à Jésus. Amen. Donc, avant de rentrer dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 11, nous allons d'abord prendre ce livre parce que d'autres vont dire non, ça c'est pas Dieu qui a dit. C'est Paul qui a dit. Parce que par moment, lorsque nous sommes en train de donner des enseignements et que ça arrange certaines personnes, ils disent dans ce cas-là, c'est Dieu qui a dit à travers la bouche de Paul. Lorsque Paul va décortiquer sur les dîmes, sur la dîme, on va dire que selon le livre de Hébreux chapitre 7, ils vont dire non, ça c'est Dieu qui a dit. Mais lorsque Paul va commencer à parler sur certains éléments essentiels, ils vont dire non, là c'est pas Dieu qui a dit, c'est Paul qui a dit. Alléluia. Amen. Donc c'est essentiel qu'on parle de ça. Parce que d'autres vont dire que non, Paul a été enseigné sous Gamaliel, donc Paul a fait de la théologie. Alléluia. Amen. Donc on va voir ça tout à l'heure. Si les dits de Paul sont inspirés par le Saint-Esprit, ou si les dits de Paul sont inspirés par le Seigneur Jésus. Je me rappelle encore une fois, nous étions en train d'échanger avec un ami. Et il était en train de me dire que là, c'est Paul, nous avons besoin encore d'un autre témoin. Je lui ai dit, est-ce que selon toi, tu es d'accord avec le fait qu'il y ait 5 ministères dans l'église? Il a dit oui. Il a dit cela, pour me montrer un seul homme. Dans la Bible qui a parlé aussi des 5 dons ministériels. À part Paul. Quelqu'un qui a détaillé sur les 5 dons ministériels à part Paul. Cette personne n'en a pas pu parler. Alléluia. Amen. Donc quand ça les arrange, ils prennent. Quand ça ne les arrange pas, ils ne prennent pas. Galates 1, verset 6. Galates chapitre 1, verset 6. Amen. Il est écrit. Je m'étonne que... Paul dit qu'il est étonné. Comme aujourd'hui, je suis étonné de beaucoup de personnes. De beaucoup d'autres, de beaucoup d'hérésies que beaucoup de personnes prêchent. Que beaucoup de personnes annoncent. Il dit, je m'étonne que... Oui, vas-y. Vous vous détourniez si promptement. Et Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Et pour passer à un autre évangile. Oui. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Ce n'est pas parce qu'il y a un autre évangile en réalité qui existe, puisque le seul évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. C'est celui-là qui est l'évangile de la vérité. Donc il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, oui. Mais il y a des gens. Mais il y a des faux pasteurs. Il y a des pasteurs corbeaux. Lorsque nous disons pasteur corbeau, ce n'est pas une injure, mais c'est un mystère. Vérité. En réalité, un pasteur corbeau, c'est celui-là en réalité qui n'a pas la vie, puisque le corbeau est noir. Or, qui dit le noir dit pas des ténèbres. Vérité. Alléluia. Amen. Un pasteur corbeau, en réalité, le corbeau représente Moïse. Moïse qui avait la loi, donc il ne pouvait pas apporter la vérité. La Bible déclare que la mort a régné par Moïse. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc on comprend que Moïse n'a pas apporté la vie, Moïse n'a pas apporté la vérité, mais Moïse a apporté le mensonge. Quelqu'un m'a dit, attends, donc la loi là c'est mensonge. Alléluia. Amen. Donc on comprend que qui dit corbeau, or selon les Saintes Écritures, selon la révélation, le corbeau parle de Moïse. Donc un pasteur qui n'a pas la révélation des Écritures, laisse-moi te dire que c'est un corbeau. Donc lorsque nous disons les pasteurs corbeaux, ce n'est pas un jus. C'est une manière tout simplement de dire que c'est un pasteur qui n'a pas la révélation des Écritures. Vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc il dit, il est étonné de ce que les gens se détournent de l'évangile de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas parce qu'il y a un autre évangile, hein, oui. Mais oui, il y a des gens qui vous troublent. Mais il y a des gens qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et ces personnes veulent tordre les Écritures. Ces personnes veulent renverser l'évangile de Jésus. Amen. Vas-y un peu. Au verset 8. Oui, frère. Mais. Quand nous-mêmes. Hein? Quand nous-mêmes. Il a dit quoi? Quand nous-mêmes. Quand d'autres personnes. Quand nous-mêmes. Quand nous-mêmes. Vas-y. Quand un ange du ciel. Il dit même si un ange du ciel est quitté là-bas et puis il est venu sur la terre. Annoncerait un autre évangile. Pour annoncer un autre évangile. Que celui que nous vous avons prêché. Que celui que moi et les autres apôtres nous vous avons prêché. Qu'il soit anathème. Qu'il soit maudit. Paul était clair. Il dit s'il y a quelqu'un qui quitte là-bas, qui dit que lui c'est le bishop, le pasteur, pour annoncer un autre évangile que ce que moi, Paul et les autres apôtres, nous vous avons prêché, que cette personne-là soit maudite. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc si une autre personne vient annoncer un autre évangile que ce que Paul a annoncé, par le biais du Saint-Esprit, cette personne est frappée de malédiction. Mm-hmm.
nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc une personne qui dit que non, ça ce n'est pas Dieu, c'est Paul, bien aimé. Et ce passage aussi atteste que l'islam est dans le faux. Vérité. Pas pour offenser mon frère musulman, mais c'est pour te dire la vérité. La Bible déclare, même si un ange du ciel descend pour vous annoncer notre évangile, nous savons que l'évangile islamique a été apporté par un ange. Et celui-là vient dire qu'en réalité, le Seigneur Jésus-Christ est né sous un palmier. Ça, ce n'est pas notre Seigneur Jésus, ça c'est sous là. Vérité. En réalité, c'est un buveur de vin. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que lui, il est né ici dans une bergerie, dans une crèche. Mais on dit ici, selon le Coran, que le Seigneur Jésus-Christ est né dans une, sous un palmier. Palmier. On dit ici que la femme est Marie, mère de Jésus. C'est la femme, c'est la sœur d'Aaron. Aaron. Selon le Coran. Donc c'est un ange, un dit ange, qui est venu, en tout cas ce n'est pas l'ange du Seigneur Jésus. Qui est venu annoncer un autre évangile que celui que Paul et ses autres apôtres nous ont prêché. En réalité, que celui-là soit maudit. C'est un ange de malédiction. Alléluia. Continue. Amen. Un peu, continue. Nous ne sommes pas encore rentrés. Nous sommes actuellement en train de voir un peu. Oui. Vas-y. Nous l'avons dit précédemment. Il dit que nous l'avons dit précédemment. Et je le répète. Et je le répète encore tout de suite. Si quelqu'un vous annonce. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile. Que celui que vous avez reçu. Qu'il soit anathème. Qu'il soit maudit. Continue un peu. Et maintenant. Est-ce la faveur des hommes? Viens au verset 11. Au verset 11. Oui. Je vous déclare. Il dit, je vous déclare. Frère. Que l'évangile qui a été annoncé par moi. Que l'évangile qui a été annoncé par moi, Paul. N'est pas de l'homme. Hein? N'est pas de l'homme. Et de Gamaliel. N'est pas de l'homme. Et d'un théologien. N'est pas de l'homme. Et d'un homme. N'est pas de l'homme. Et d'une femme. N'est pas de l'homme. Mais c'est de qui alors? Car. Je ne l'ai ni reçu. Quoi? Il dit, car je ne l'ai ni reçu. Ni appris. L'évangile que Paul est en train de te prêcher dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit, n'a pas appris ça. Il dit, n'a pas reçu ça. Oui. Je ne l'ai ni reçu. Car je ne l'ai ni reçu. Ni appris d'un homme. Je ne l'ai ni appris d'un homme. Mais. Par une révélation de Jésus-Christ. Attendez là. Il dit que ce n'est pas une révélation du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qu'il est en train d'annoncer toutes ces choses. Amen. Donc tout ce que Paul est en train de dire, c'est inspiré par le Seigneur Jésus. Vérité. Car c'est un enseignement qu'il a reçu du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parti de là. Alléluia. Donc Paul dit. Donc Paul dit, si une autre personne vient vous annoncer autre chose que celui qu'il a prêché, que cette personne-là soit maudite. Alléluia. Même si c'est un ange. On continue. Tu vas prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Maintenant, on va rentrer dans le but du sujet, mais avant ça, on se va toucher. Tu prends ça d'abord. 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 1. À partir du verset 3, pardon. Tu laisses ça d'abord. Tu prends maintenant 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Parce que dans ce verset 1 Corinthiens, on dit non, ce n'est pas à nous. Que ce verset-là n'est pas réservé à nous, mais c'est réservé aux Corinthiens. C'est ça, non? C'est ça. Ils vont dire, non, ça, c'est pas à nous, c'est prêché. Hein? Bah, nous, ça, c'est les gens d'avant. Ça, c'est les gens d'avant, avant, c'est aux Corinthiens. Donc, ça, là, ça ne nous concerne pas. Ça. Ils peuvent dire encore que non. Toi, tu as reçu ta part. C'est ton ministère. Mmh. Tu dois prêcher. Donc, c'est ce que tu dois prêcher. Voilà. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. 1 Corinthiens 1, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 1, au verset 1. Amen. Je lis la parole du Seigneur avec grand respect. Amen. Paul, appelé à être apôtre de Jésus. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Vas-y un peu. Et le frère Sostène. Mmh. À l'église de Dieu. Il dit cette lettre à qui d'abord? À l'église de Dieu. À l'église de Dieu. Qui est à Corinthe. Donc d'abord, cette lettre-là est pour l'église de Dieu qui est à Corinthe. Mais si on se limite là, ils vont dire que c'est vrai, ils ont raison. Hein. On dirait que ce n'est pas pour tout le monde. C'est uniquement pour l'église de Dieu qui se situe à Corinthe. À Corinthe. Vas-y un peu. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus. Mais on peut dire que c'est les gens de Corinthe qui ont été sanctifiés en Jésus. Vas-y.
appelé à être saint, appelé à être saint, et à tous ceux, et à tous ceux qui invoquent, qui invoquent à quelque lieu que ce soit, qui font quoi, qui invoquent à quelque lieu que ce soit, qui invoque en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, donc cette lettre-là est prévue aussi pour toi. Ouais, bien. Cette lettre-là, toi qui invoques le nom du Seigneur, même si c'est dans ta cabane, même si c'est dans ta maison, le monde entier, même si c'est sur cette terre, ce verset est valable pour toi. Alléluia. Amen. Donc on comprend clairement que c'est valable pour tout le monde. Mais tous les enfants de Dieu qui invoquent le nom du Seigneur, en quelque lieu que ce soit. Donc que ce soit à l'église, à Jésus revient, c'est valable pour toi. Que ce soit dans telle assemblée, c'est valable pour toi. Gloire à Jésus. Amen. Termine avec le livre de Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4. Les derniers versets par là. Colossiens chapitre 4. Allons rapidement. Colossiens 4. Colossiens chapitre 4, verset. À partir du verset 16. Colossiens 4, verset 16. Colossiens chapitre 4, au verset 16. Vas-y, homme de Dieu. Il est écrit. Mm-hmm. Lorsque. Oui. Cette lettre aura été lue. Ça, c'est pour le peuple de Colosse, les Colossiens. La Bible déclare que lorsque cette lettre-là aura été lue, chez vous, chez vous, vous, chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée. Et il dit lorsque lettre qu'il envoie aux Colossiens-là sera lue chez eux, ils n'ont qu'à faire en sorte que ça soit envoyé maintenant chez les Laodiciens. Donc lorsqu'ils ont fini de lire, on prend la lettre, on envoie sur l'Odyssée. Continue. Et que vous lisiez. Et que vous lisiez. À votre tour. À votre tour. Ce qui vous arrivera de l'Odyssée. Ah. Donc on comprend que toutes les lettres de Paul qu'il envoyait, là, en réalité, ça faisait le tour. Dès lors qu'une personne finit de lire, on envoie chez l'autre. Dès lors qu'une personne finit de lire, on envoie chez l'autre. Donc lorsque Paul adresse ici quelque chose aux Corinthiens, ce n'est pas seulement pour les Corinthiens, mais c'est aussi pour les Laodiciens. Pour les enfants de Dieu. Après ça, on l'envoie ici maintenant pour l'église. Pour l'église de Colosse. Après, la main va envoyer maintenant, dans l'église de Pergame. Après, va envoyer dans l'église de Thyatire. Après, va envoyer dans toutes les églises de Dieu. Ceux qui disent élever le nom du Seigneur Jésus. Ceux qui disent adorer Dieu. Donc, la Bible est valable pour tous les chrétiens. Vérité. Alléluia. Amen. Donc, les versets là sont essentiels pour tous les chrétiens. Gloire à Jésus. Amen. On va rentrer maintenant dans le fond de notre message. Les Corinthiens chapitre 11, verset 13 à, verset 3 à 16. Mais commence d'abord au verset 16. Verset 16. 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 16. Vas-y un peu. Si quelqu'un se plaît à contester. Attention. Il a fini de dire une lettre. D'autres se terminent pour dire que non, la chevelure lui a été donnée comme voile au verset 15. Et puis on dit que là, c'est la conclusion. Ce n'est pas là la conclusion, hein. La conclusion, c'est au verset 16. Vas-y un peu. Si quelqu'un se plaît à contester. Si quelqu'un se plaît à contester. Nous n'avons pas cette habitude. Nous n'avons pas cette habitude. Non plus que les églises de Dieu. Non plus que les églises de Dieu. Mais attendez. Le fait qu'on dise que la chevelure a été donnée comme voile à quelqu'un. Pourquoi ils vont contester ça? Si on dit que les cheveux, c'est le voile. Bon, les hommes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci à ça. C'est comme on vient te dire que pour aller au ciel, Dieu a déjà tout accompli. Mais les gens seront contents, c'est fini. Où est le difficile qui est dedans? Où est le problème qui est dedans? Où est le merci là-bas. Où est le efforcez-vous qui est dedans? Où est le quelque chose? Aïe, ma belle chevelure. On te dit que c'est ta gloire, donc tu peux prier avec. Donc pourquoi, si c'est un problème, ils vont contester avec? D'abord, c'est pour ouvrir l'esprit de quelqu'un. On conteste quelque chose qui est difficile à accepter. Vérité. On conteste quelque chose qui est dur à accepter. Si la belle chevelure, on dit que c'était donné comme voile, donc on peut prier avec. Mais pourquoi les gens sont venus contester ça? Donc les gens sont venus contester parce qu'on prie avec, on prie avec voile. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'espère que vous me suivez. Le thème de ce message, c'est le voile de la femme chrétienne. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia.
Amen. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Chapitre 1 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 3. 1 Corinthiens chapitre. À un moment, lorsqu'on va mettre les trucs à zoomer pour qu'on puisse voir ce qui est aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Chapitre 11, pardon, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Vas-y. Il est écrit. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Ça, ça m'intéresse. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Donc c'est une chronologie. On voit que d'abord il y a Dieu. Dieu, très important, est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Dans ce sens-là, ça va un peu le truc. Ça ne va pas suffire. Ce sens-là, ça ne va pas suffire. Oups, je suis tombé là-bas. Bon. Une personne a peut-être rentré pour aller prendre le chiffre. Donc Dieu. Ensuite, il y a Christ. Ensuite, il y a l'homme. Et enfin, il y a la femme. Alléluia. Amen. Donc, premièrement, on a Dieu. Secondement, on a Christ. Troisièmement, on a l'homme. Et ensuite, il y a la femme. C'est très important et très capital, cette partie-là. Est-ce qu'on voit? On voit, c'est bon? Dieu d'abord, donc c'est une chronologie. Il y a Dieu qui est le chef. Or, si le chef est là, ça veut dire que celui qui est en bas est soumis. Vérité. Donc, il y a lui qui est le chef, celui à qui toute chose est soumise, et il y a celui maintenant qui est en bas qui est soumis à la chose. Quelqu'un va être étonné si j'ai dit que Christ est la femme de Dieu, l'homme est la femme de Christ et la femme est la femme de l'homme. Alléluia. Amen. Parce que c'est la femme qui est soumise et c'est l'homme qui a l'autorité. Vérité. Mais on ne va pas rentrer là-bas d'abord. On va continuer au verset 4. 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 4. Amen. Tout homme. Il dit tout homme. Qui prie. Tout homme qui prie. Ou qui prophétise. Ou qui prophétise. La tête couverte. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte. Déshonore son chef. Attendez là. J'aimerais poser la question à quelqu'un qui dit que la chevelure est le voile. J'aimerais poser la question à quelqu'un qui dit que la chevelure, en réalité, il n'y a pas de différence entre la chevelure et le voile. Sur quel passage biblique est-ce que tu te bases pour dire que lorsque un homme est en train de prier, il ne doit pas mettre chapeau? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Sur quel passage biblique est-ce que tu te bases pour dire qu'un homme ne doit pas porter chapeau lorsqu'il prie? Tu te bases sur quel passage? Je vous assure que tous les hommes qui disent ça se basent sur le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 4. C'est à quoi je vais aboutir. Tu dis que lorsque l'homme est en train de prier, ne doit pas mettre chapeau. Pourquoi? Pour quelle raison est-ce que tu le dis? Pourquoi est-ce que tu demandes à ce que l'homme ne mette pas de chapeau? Et à ce que l'homme ne mette pas de chapeau s'il est en train de prier? Et puis lorsqu'on arrive maintenant au niveau de la femme, maintenant tu vas dire que pour l'homme là, c'est comme il cache. Mais pour la femme là, tu vas dire que non, c'est ses cheveux qui sont son voile. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
ceux qui disent que l'homme ne doit pas mettre de chapeau lorsqu'il est en train de prier se basent sur Corinthiens 11, verset 4. Donc c'est sur le même passage qui suit là, qui va parler aussi de la femme. C'est cela qu'ils utilisent pour dire que l'homme ne doit pas mettre chapeau lorsqu'il est en train de prier. Mais pourquoi vous dites cela? Et puis lorsqu'on arrive maintenant au niveau de la femme, vous dites que les cheveux maintenant et puis le voile, c'est pareil. Mais pourquoi avec l'homme là maintenant, là, vous trouvez des inconvénients? Un inconvénient. Gloire à Jésus. Amen. C'est la raison pour laquelle tu vas constater quelque chose. C'est la raison pour laquelle tu vas remarquer quelque chose. Un homme qui est censé, lorsqu'il s'en va voir le président, il n'a pas que. Dès lors qu'il va voir le président, s'il a porté un chapeau avant de pouvoir le saluer, avant de pouvoir m'échanger avec lui, il va enlever son chapeau. Vérité. Quelqu'un qui sait ce qu'il cherche, s'en va chercher entretien d'embauche. Ou encore, s'en va un entretien d'embauche, ou s'en va chercher du travail. Lorsqu'il va arriver devant celui-là qui va l'entretenir, il n'a pas que de porter un chapeau. Sinon, ils vont dire qu'il est impoli. Même vous le savez très bien. Ces pasteurs qui disent que la chevelure, il n'y a pas de différence entre la chevelure et le voile. Tous ces pasteurs qui déclarent cela. Pourquoi? Lorsque vous-même vous partez saluer vos papas au village, ou encore vous partez saluer votre chef de village, est-ce que vous avez le courage d'avoir un chapeau sur la tête? Jamais, même l'oncle. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on s'agit, il s'agit ici de Christ, dans ce cas-là, tout le monde s'en fout. Un pasteur, un prophète, un dit homme de Dieu qui a chapeau sur sa tête pour prier, laisse-moi te dire que c'est un agent de Lucifer. Vérité. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle un dit homme de Dieu qui va mettre ici un chapeau sur sa tête comme ça, qu'on appelle un dit pape, ou encore un évêque qui va mettre un chapeau, laisse-moi te dire que cette personne n'en a rien connu de Dieu. Laisse-moi te dire que cette personne n'en a rien compris de Dieu. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu n'a pas le courage de mettre un chapeau devant la présence de Dieu. Cette personne n'a pas le courage de mettre un chapeau devant la présence de Dieu. Par moments, cette personne-là se bat sur Aaron. C'est Aaron qu'on va décortiquer tout de suite. Vous ne savez pas qu'Aaron, c'est une femme. Alléluia. Amen. Quelqu'un va dire, Aaron est devenu femme. Aaron est devenu femme. Depuis quand ça? Comment? Aaron, nous savons qu'il était garçon, il avait des enfants. Il a une femme. Il a une femme. Donc non, comment? Non, Aaron, c'est un PD. Donc Dieu encourage ici l'homosexualité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons comprendre pourquoi j'ai dit que Aaron, c'est une femme. C'est dans la révélation, ce n'est pas dans la doctrine. Alléluia. Amen. On continue. On va prendre maintenant Corinthiens chapitre 11, verset 5 à 6. 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 5 à 6. Alléluia. Toute femme. Hey, on a fini de parler maintenant des hommes. Dieu il est bien ordonné. Quand il a fini de parler maintenant des hommes, puisque le plus souvent, les choses, des hommes, puisque c'est une hiérarchie, il ne peut pas parler d'hommes sans parler de femmes. Vérité. Alléluia. Plutôt, amen. Il ne peut pas parler de femmes sans avoir d'abord parlé de l'homme. Puisqu'il a dit que l'homme d'abord est le chef de la femme. Alléluia. Amen. Donc il dit maintenant, il a fini de parler de l'homme, il va maintenant parler de la femme. Vas-y un peu. Toute femme. Il dit que toute femme. Au contraire. Toute femme au contraire. Qui prie. Toute femme au contraire qui prie. Ou qui prophétise. Ou qui prophétise. La tête non voilée. La tête non voilée. Déshonore son chef. Vas-y un peu. C'est comme si elle était rasée. Donc voici la tête ici, c'est non voilée. La tête de la femme. On dit que c'est non voilé. C'est. Vas-y. C'est comme si elle était rasée. Donc en réalité, lorsqu'on dit que c'est comme si elle était rasée, ça veut dire qu'elle n'est pas rasée en réalité. Ça c'est français. On dit toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, c'est comme si elle était rasée. Donc on comprend que Paul est en train de nous dire qu'il n'y a pas de différence entre la femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte et la femme qui est rasée. Continue un peu. Car si une femme n'est pas voilée. Et car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Attendez là. Aïe. Mais attends, faut reprendre la partie. André n'ont pas bien entendu. Car oui. Si une femme n'est pas voilée. La Bible déclare que si une femme n'a pas mis voile sur sa tête, là, voici les cheveux qui sont là. Voici le voile qui est là. Qu'on va prendre pour couvrir la tête. Donc ça, c'est les cheveux.
Et puis ça, c'est son voile. Moi, c'est pas dessiné. Donc, mon cher, on fait que ça comme ça. Comment? Ah, d'accord. Donc, voici les cheveux. Et puis, voici le voile là, qui est là. Bon. Je fais ça. Un peu comme ça. Donc, voici le voile là, qui est là. Voici les cheveux qui sont là. La Bible déclare, reprends la partie là. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Continue un peu. Car si une femme, voici le voile qui est là, donc si ce n'est pas sur sa tête, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Aïe, pourtant cheveux sur sa tête. Si une femme n'a pas mis voile sur sa tête pour prier là, elle n'a qu'à se couper aussi les cheveux. Aïe. Rase. Donc on comprend qu'il y a une très grande différence entre le voile et la chevelure. La Bible déclare que car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe et puis met dessus aussi. Ah, c'est très important. Qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc si elle n'a pas mis son voile, ses cheveux là aussi là, elle n'a qu'à raser ça. Maintenant continue ce qu'il dit. Oh. C'est pas comme s'il a dit c'est bien. On va voir si ce qu'il a, la femme doit raser ses cheveux, c'est bien ou c'est pas bien. Vas-y un peu. S'il est honteux. Pour une femme. D'avoir les cheveux coupés. Ou d'être rasé. Ou encore même d'être rasé. Donc ça veut dire que lorsqu'une femme, normalement en Israël, c'est maintenant les femmes d'aujourd'hui n'ont plus honte. Elles se promènent la tête nue et puis ça ne leur dit rien. Elles n'ont pas de cheveux. Elles prennent le malin plaisir d'aller faire, d'aller se couper les cheveux. Et ces femmes-là n'ont pas honte. Alléluia. Amen. Ces femmes-là, ça ne leur dit rien. Pourtant, auparavant en Israël, là, quand ils faisaient ça, la chie et tout, on dit, ah, il lapide. Ça fait honte, mais tu as honte de toi. Parce que les cheveux, quand on regarde la femme, elle est caractérisée par ses cheveux. Vas-y un peu. S'il est honteux. Pour une femme d'avoir les cheveux coupés. Vas-y un peu. Ou d'être rasé. Ça veut dire c'est différent. Voile. Soit elle peut avoir les cheveux tout simplement coupés. Ou encore elle peut être rasée. C'est honteux pour la femme. Donc si elle ne veut pas, si elle sait que c'est honteux pour elle-là même là, elle n'a qu'à se voiler pour prier. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Par là, là déjà, on n'a même plus besoin d'arriver loin. On comprend directement qu'il y a une différence, une balèze différence entre le voile et la chevelure. Alléluia. Amen. Au verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Si tu as fini le verset 7, tu viens directement au verset 14 et au verset 15. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. J'espère que là vous avez déjà bien vu. Que vous avez déjà compris que Dieu, il y a d'abord Dieu, il y a Christ, il y a l'homme, il y a la femme. Ensuite, il y a le voile qui a part, il y a la chevelure qui a part. Parce que la Bible déclare au verset 4 et au verset 5, que si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi le cheveu. Donc on comprend qu'il y a une grosse différence entre le voile et la chevelure. Alléluia. Amen. Donc j'espère que déjà vous avez déjà bien compris. Parce que le tableau n'est pas assez grand, on veut effacer. Amen, amen. Amen. Bien zoomer une dernière fois pour qu'on puisse bien voir et puis tu effaces. On vient effacer. C'est bon? Ok. On est toujours dans le livre des Corinthiens, chapitre 11. Au verset 16 maintenant. Non, reprends d'abord verset 7 là. Au verset 7. Oui. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il a l'image et la gloire de Dieu. Donc on comprend que l'homme sans couverture. L'homme sans couverture.
Quand on dit sans couverture, il s'agit de la tête. Est égal à la gloire de Dieu. L'image est gloire de Dieu. C'est le mot gloire là même qui m'intéresse le plus. Sinon, c'est l'image et gloire de Dieu. Donc, l'homme sans couverture sur sa tête est l'image et la gloire de Dieu. Vas-y un peu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc, on comprend que la femme ici, plus couverture, plus sa chevelure, pardon, plus dans les cheveux, c'est la gloire de l'homme. C'est la gloire de l'homme. C'est la gloire de l'homme. Oui, vas-y. Verset 16 maintenant. Au verset 16. Mm-hmm. Si quelqu'un se plaît à contester, mm-hmm. nous n'avons pas cette habitude. Vas-y. Non plus que les églises de Dieu. Non, au verset 14 et 15. 14 et 15. 1 Corinthiens chapitre 11. Mm-hmm. Au verset 14 à 15. Vas-y. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Cette nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est une honte, oui, vas-y, pour l'homme de porter de longs cheveux. Mm-hmm. Mais que c'est une gloire, oui, pour la femme. Donc on comprend clairement que la chevelure est égale à la gloire de la femme. Ou encore les cheveux. Gloire de la femme. Gloire de la femme. Alléluia. Amen. Ici, il y a quelque chose encore, je voulais rappeler à quelqu'un. Si on dit que la chevelure, c'est le voile, ça veut dire que toi, homme qui a un peu de cheveux et puis qui t'en va prier, tu commets un péché. Vérité. Sans que quelqu'un ne m'a pas compris. Si on dit que les cheveux, c'est le voile, ça veut dire que toi, homme qui a des cheveux, toi, pasteur qui a cheveux sur ta tête et puis qui t'en va prier, tu commets un péché. Parce que la Bible déclare que tout homme qui prie en ayant la tête couverte, c'est-à-dire en ayant le voile sur sa tête, cette personne a déshonoré son chef qui est Christ. Donc, toi qui as les cheveux sur ta tête, toi, garçon, toi qui prêches que la chevelure et le voile, c'est pareil, dans ce cas-là, tu es en train